Attention, cette émission pourrait ne pas convenir à un jeune public, la présence d'adultes responsables est conseillée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, fumez-tu, McDo fait grossir, blablabla, bla bla, vous connaissez la chanson, consommez avec modération. Hello, c'est Lolotte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle lingerie et un nouveau cocktail. Et on va préparer un Cuba Libre. C'est parti. Besoin d'un verre type tumbler avec des glaçons, de citron vert, de rhum et de cola. On commence la préparation avec 4 cl de citron vert. Je me réserve une tranche de citron pour la décoration de la fin et je verse l'équivalent de 2 petits citrons verts comme celui-ci sur les glaçons. On continue avec 6 cl de rhum et on finit avec 15 cl de cola. Mélange le tout avec la cuillère à cocktail et la petite rondelle de citron que je m'étais réservée pour la décoration que je viens déposer au bord du verre. Et on finit avec la paille. Pour la petite info, le Cuba Libre a été créé pour la libération de Cuba. Dégustation. Je le trouve excellent. Le citron vert et le cola, ça s'assemble super bien. C'est vraiment très doux. On sent pas vraiment le rhum, justement. Ça glisse plutôt bien. Je le recommande. Toutes les informations sur la lingerie et le cocktail sont dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle lingerie et un nouveau cocktail. Je vous fais des bisous. Et à bientôt! Hey Pepe, si t'es encore ici, c'est que t'as aimé, alors on va faire un petit deal ensemble. J'ai mis 5 étoiles dans la description, comme ça si tu as la flemme de commenter, tu peux copier-coller les étoiles et ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux et mettre un gros pouce érectile pour voir d'autres lingeries et que peut-être j'inviterai des copines. On verra si t'es sage, hein. Bisous!